Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Voilà, bien-aimé le Seigneur, bonsoir à vous tous. Attendez ce soir. Et bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Donc ce soir, nous là dans le rayon de délivrance. Et rayon de délivrance, c'est ce nous-mêmes appelons délivrance. Nous capables, la délivrance, il n'est pas seulement qui vient dire un démon possédé et il vient de délivrance. Et dans la délivrance de nous l'âme, et dans la guérison de nous l'âme, et la rayon de délivrance, il enseigne nous toute bonne stratégie, toute bonne façon comment l'adversaire y attaque les enfants de Dieu. Comment l'adversaire y attaque un chrétien? Comment l'adversaire y attaque une église? C'est ça, un rayon de délivrance. Et Liban qui nous fidèle, nous contient de la présence de Dieu, nous pouvons prendre, faire à mesure, qui se là, nous pouvons prendre beaucoup de choses, nous pouvons prendre. Que le Saint-Esprit lui-même vous révèle le secret de ses paroles. Donc, la rayon de délivrance aussi enseigne-nous vraiment contre l'attaque. Contre l'attaque qui chrétien gagne. Parfois, et non, saint homme, tout à l'heure, nous parlons de la parole de Dieu, saint homme. Aujourd'hui, nous vous parle un petit peu, que veut dire contre l'attaque? Nous connaissons souvent des fois, nous dire un contre l'attaque, ça, un contre l'attaque. Qui était un contre l'attaque? Derrière un contre l'attaque, qui s'en a et non? Qui s'en a et non? Et qui s'en a qui a voulu pour faire contre l'attaque? Qui sont mission? Et nous pouvons. Quatre symptômes qui énorment dans contre l'attaque un chrétien les gagner. Guerre de symptômes. Nous avons quatre symptômes là. Et quand un quelqu'un les passe pour mal contre l'attaque, plus souvent des fois quand ces symptômes là viennent, nous courons vers la médecine, vers la science. Le diable tellement lui rusé, lui servit une stratégie, lui dérive nos pensées. Il fait nous croire, peut-être, nous ne boire trop beaucoup, et qu'on va dire, trop beaucoup glacé, nous ne gagnons tel malade, nous ne mangeons peut-être un petit peu trop, et qui sont épicés, quand nous gagnons problème dans nos ventes, alors nous courons vers la médecine, vers la science. Le diable est risé. Et plus spécialement, l'attaque qui. Le chrétien, il gagnait contre l'attaque qui nous gagnait. La plupart du temps, il attaque le serviteur de Dieu. Il attaque le servant du Seigneur. Il attaque l'intercesseur. Il attaque le chrétien qui est fidèle, qui est consacré à Dieu. Il attaque l'Église. Nous parlons souvent de stratégie. Et aussi, sans oublier, il tient un flasher spécial pour un nouveau, nouvelle converti. Il y a besoin de l'Église ouverte, il y a besoin de connaître la vérité, et il y a besoin pour prendre une décision pour marcher avec le Seigneur. Nous trouvons comment il fait contre l'attaque. Et nous pouvons trouver qui contre l'attaque il fait avec une nouvelle nouvelle. Parfois, quand un nouveau, une nouvelle est venue, un coup, il vient d'écoute, après, il disparaît. Et nous pouvons guetter qui contre l'attaque que Satan lui fait et que ça va nouveau nouvelle là. Parfois nous disons peut-être qu'il n'est pas adapté dans l'église là, il n'est pas adapté ici, etc., etc. Il y a le nom. Le diable lit vraiment quelque part, on peut étudier, vraiment on peut étudier dans ce contexte là. Le diable avant il attaque un chrétien, nous vous guettons ça tout à l'heure, à quel point il est prudent. L'imprudence c'est juste pour ne pas détecter son travail. Lui fait son travail comme si quelqu'un qui est professionnel. Parce qu'il joue à détecter lui, ses affaires n'ont pas bon. Ses affaires n'ont pas bon, joue qui vous détecter son travail, ou à détecter ce qu'il peut faire. Donc, il est beaucoup quelque part, quand vous étudiez lui, vous trouvez quelque part. Lui-même, quelque part, il fait un travail, il est bien prudent ce qu'il peut faire, il met chose ce qu'il peut faire. Comme si il y a un spécialiste là-dedans. Donc, nous pouvons guetter, et qui s'en a qui traîne nous autres,
Vous donnez juste un aperçu. Pareil quand on travaille dans une usine, dans une place de travail, et dans le travail, nous faisons un professionnel. Quand on est dans une usine, nous avons fait un travail, comment nous dire, et comme un amateur, fait un travail et nous avons erreur, nous qui avons erreur dans le travail, et cela l'écoute et nous capables de dire et nous avons perdu une journée. Si le travail là pas bon, patron pas bon, il rejette le travail là. Donc, mettre un petit travailleur, vous parlez comme ça, un travailleur, le travailleur là, il met un head, un responsable, l'autre sa head là, il met un supervisor, l'autre sa supervisor là, il a un manager. Donc, il a tout un plan quand vraiment je fais ce travail. Donc, l'écoute, l'attaque, nous vous mettez tout à l'heure, c'est qui catégorie qui fait contre l'attaque, et qui s'en a qui traîne les autres, qui s'en a qui enseigne les autres, qui s'en a qui fait une vie professionnelle, le travail. Et quand je mets la main dans le ciel. Le chrétien, lui, il n'est pas comme ce droit, le chrétien, il n'est pas comme ce vrai la vie spirituelle. Chrétien, il n'est pas connu qui passait dans le monde spirituel. Donc, l'attaque là est en train de vous guetter ce 27 ans. Et là, nous pensons, un malade ça, une affection ça, trop, un petit peu trop épice ça, un petit peu peut-être, un petit peu trop de fraîcheur ça. Peut-être, sa parole là fait une décourage moi. Non! Si nous rentrons dans le monde spirituel, nous allons détecter les autres. Nous trouvons ce massacre qu'ils veulent faire dans le monde spirituel. Donc ce matin, nous pouvons écouter très attentivement et ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et ce matin, nous ne pouvons pas nous la Bible pour nous guetter le verset de la Bible, mais nous pouvons nous la Bible presque à la fin. Presque à la fin, qui pour nous donner l'exemple de la parole de Dieu, qui quand elle vraiment. Nous premier là, c'est Jésus-Christ même, lui va faire une délivrance, tiens à posséder une délivrance, lui va faire une délivrance. Comment finir contre l'attaque, l'autre chemin, pendant qu'il va faire sa délivrance là. Et l'autre lit, il y a contre l'attaque, deuxième verset qui nous bougetait, et l'autre lit, un autre disciple, après avoir qu'il finit faire une grande délivrance, une grande délivrance, que nous regrettons. Il fait une grande délivrance. Après sa grande délivrance-là, il gagne contre l'attaque cette fois-ci. Elle contre l'attaque qui vraiment lui fait besoin de souffrir beaucoup. Donc, quand nous remarchons tout en global, Satan, le diable, il pas fait cadeau personne. Il pas fait cadeau personne. C'est pour cela qu'il. À chaque fois dans une réunion, nous encourageons les chrétiens, écoutez ce soir, écoutez, nous encourageons les chrétiens qui prend patience, prend courage, persévérer, pas baisser les bras, pas décourager. Il y en a une raison derrière cela qui fait nous à chaque fois. Nous enseignons les chrétiens, nous encourageons les chrétiens. Visez l'église, régulier dans une bonne réunion, écoutez qu'on peut prêcher, mettre en pratique. Qui faire? Parce que nous connaissons qui pour passer après. Nous connaissons le diable, quand pour attaquer, comment pour attaquer, quelle façon il peut attaquer. Peut-être un chrétien n'est pas compétent, pas qu'on arrive ce moment, il ne connaît pas. Elle compte l'attaque exactement, qui était ça, comment ça? Simplement, nous connaissons un contre l'attaque, mais nous pas connaissons définition, nous pas connaissons travail, nous pas connaissons qui est derrière ça, nous pas connaissons qui fait cacher derrière ça, nous pas connaissons comment il peut nous la vie amère, nous pas détecter lui. Mais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pas guetter beaucoup de secrets que Dieu les pour montrer nous ce soir. Donc, que veut dire contre attaque? Le contre-attaque, vraiment, comme si un coup monté par des artilleries de démons. Quand nous parlons le mot artillerie, c'est comme si une zone de guerre. Comme une mitraillesse, je voulais quelque chose comme un canon,
Quand nous disons, parfois nous disons ça, ta thème là, quand nous parlons dans une grande difficulté, qui n'a pas causé mon noir, boule rouge là au moins. Nous ne pas dire la version là. Donc, le contre-attaque, c'est, ce sont des coups montés. Ben, coups montés par ben démo. Écoute bien ce que nous écoutons ce soir là. Évitez pour dormir. Évitez, faites attention. Et le diable va mettre nous de sa façon là. Le contre-attaque, lui a voyé. Pas un démon, un coup monté. C'est un coup monté, ça. Quand nous parlons de coup monté, veut dire c'est un troupe. Un troupe d'un démon, vraiment spécialement formé et préparé pour attaquer un soldat de Dieu. Dans l'autre version, il dit pour assaillir le soldat de Dieu. Assaillir veut dire attaquer pour attaquer un soldat de Dieu. Pour accabler les enfants bon Dieu, pour harceler les enfants bon Dieu, pour tourmenter les enfants de Dieu, pour troubler les enfants de Dieu. En l'autre mot, tellement problème, tout côté, quatre côtés, bombarde les enfants de Dieu. Donc, c'est un troupe vraiment spécial, spécialement formé et préparé. Donc, quand nous parlons formé et préparé, veut dire qu'il y a derrière ça un démon qui est bien formé, bien préparé là, et non, un autre qui gagne encore derrière. Parce qu'ils ont vu pour ben quelque chose spécifique. Tout à l'heure, vous guettez, comment ils ont attaqué une région. Et qui a des régions qui ont attaqué, veut dire ben l'endroit. J'attaque dans l'endroit, j'attaque dans l'église est spécifique. Si elle l'église, les deux de Baba quitte lui et sa région tranquille. Pas ta zone. Quitte zone. Deux de Baba, peut dormir. Pas peut prêcher la vérité. Pas peut valiser le peuple là. Et plus spécialement, pas peut faire des gars du mal. Pas peut faire le peuple détecter lui. Pas peut valiser le peuple pour le peuple vigilant contre lui. Donc, quitte lui tranquille. Quitte sa région là, son habitant, son église, son bonhomme, etc. Quitte soit tranquille. Mais il attaque une région spécifique, bien dictée, bien préparée. Le thème de nos messages ce soir qui était contre-attaque. Qui veut dire contre-attaque? Les bons qui nous apprennent, moi-même, quand je prépare ça, beaucoup de choses que Dieu peut montrer moi encore, parce qu'il en prend pas fini de la vie jamais. Donc, quand nous dire, vous êtes bien formés, spécialement bien formés, bien préparés, ou donc, veut dire, derrière les autres, et dans l'autre équipe. Donc, qui c'est l'équipe qui derrière, ça va un démon qui vient faire, ça va contre l'attaque là. Et nous pouvons lui dire, le principauté de ténèbres sont, ben, vraiment, ce sont le principal, dans l'autre version, plusieurs, le principaux. Le principal de ténèbres, ben fondateur de ce groupe. C'est sa ben principauté-là, lui-même, lui-même qui organise sa, l'équipe, sa groupe-là, lui-même traîne, lui-même donne une directive, lui-même organise, et après quoi, lui lance. Quand nous guettons le mot, le principauté de ténèbres sont les principaux fondateurs de ce groupe, il y a maintenant donc, directement dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Quand il dit, nous pas fin appelés pour la guerre contre la chair et le sang, mais nous fin appelés pour la guerre contre le principauté, contre le pouvoir, vraiment, contre les dominateurs de ce monde. Nous pas fin appelés pour la guerre contre la chair et le sang. Mais les dieux nous viennent appeler pour la guerre contre les principautés. Donc c'est lui-même l'organisateur, lui-même qui formait, lui-même qui instruit, lui-même les conseillers, les conseillers, c'est l'équipe qui a le faire de contre l'attaque là. Moi-même pendant qu'il me peut étudier, me peut préparer, beaucoup me lisier, mon intelligence finale ouverte, et lui fait moi comprendre beaucoup de choses dans ces messages. Donc, fin préparer, fin envoyer, c'est vraiment pour l'équipe, le principauté
des ténèbres. C'est sa même bande qui est principale dans le fondateur de sa groupe-là. Et donc, qui était sa bande qui est là? Ce sont des esprits. Ben, l'esprit rude. Rude veut dire dur, cruel et redoutable. Ben, qui vraiment, ben, l'esprit qui vraiment, quelquefois, lui fait nous inquiéter, lui fait nous peur. Qui fait? Parce que ce n'est pas ben, l'esprit qui vient jouer en nous. Je vais vous jouer, je vais vous badiner. C'est ben l'esprit dangereux. Dieu dangereux. Si pas détecter les autres, vous êtes dangereux, vous êtes mauvais, vous êtes menaçant. C'est ben laisser ça même ben l'esprit qui contrôle ben région particulière. Je contrôle chaque place, chaque endroit bien spécifique. Saisissez comme la Bible Paul nous. C'est vraiment ça, ben l'esprit-là. C'est ça même, je finis pour tuer, pour égorger, je finis pour faire le mal. Envoyé spécifiquement pour une qui chose. Donc, ben démon qui fait contre l'attaque, c'est ben démon qui est bien entraîné. Je connais le travail, je connais qui va le faire, et avec autres dans une région spécifique. Et des autres, pour qui ça l'a bizarre à attaquer spécifique. Pour qui ils attaquent? Vous donnez un exemple. Les points d'attaque, un kiken qui n'a un habit de prière bouillante. Qui fait? Parce que quelqu'un là peut grandir spirituellement, il peut croître spirituellement. Ça, quelqu'un là, il y a un bon combattant dans la prière. Il y a un soldat puissant pour le Seigneur dans la prière. Et à la réplique. À la réplique. L'autre quelqu'un vient intercesseur. Il peut intercéder. Est-ce que je connais qu'un chrétien met le genou en bas et aussi mon intercesseur? Quand tu es décédé, je connais Satan, le diable, comme une batterie là-bas. Je connais qu'il y a des problèmes dans son royaume. Je connais ce démon-là. Vous donnez quelque chose qui passe dans le monde spirituel. Il dit bon qu'il faut apprendre, moi je vais apprendre. Cinq démons qui a les autres pour venir attaquer, si je n'ai pas accompli votre mission, je n'ai pas fait votre travail bien, je vais réguler les deux autres rapports, je vais vaincu, j'ai vaincu. Je ne vais plus, je ne vais battre. Je ne brûle par le sang, par le feu du Saint-Esprit. Quand retourne devant sa Lucifer-là, elle donne compte rendu. Lucifer la répond, je te réponds, je te réponds, c'est comme si c'est quelqu'un qui tient les autres dans Jiffé, nous autres un moment de la récréation. Sortir en Jiffé seulement à le faire mission. Si tu n'es pas capable de faire mission, tu aurais défait. Tu aurais retourné dans le là. Donc c'est pour cela qu'il va aller là faire comme ça. Amen, amen. Tout pour tout. Pour accomplir votre mission dans le parfois, chrétien, il ne pas rendre compte, il prend la vie de la chrétiennité à la légère. Simplement, je vais venir à l'église, dans le système, écouter, nous aller. Et aujourd'hui, on va venir, demain, nous pouvons venir, nous faire le choix. Non! Nous ne pas connaître qui danse et qui est dans le monde spirituel. Chrétien, nous avons une faveur, Dieu nous a une faveur, qui bondit de nous. Pour nous connaître quelque chose qui peut passer dans le monde spirituel. Longtemps dans nos religions, qui nous connaît qui passe dans le monde spirituel? Qui nous connaît qui appelle le monde spirituel? Qui nous connaît? Dans nos religions. Puis tu fais la prière, nous, etc., etc. Nous faisons la prière, nous faisons la grâce, quand nous finissons pour ça, nous refaisons tout ce que Dieu fait pareil. Nous pas comme la vie, nous pas comme le changement, nous pas comme qui appelle la crainte de Dieu, qui appelle mort. Non, rien, nous pas connaît. Mais aujourd'hui, nous finissons prendre, par la grâce de Dieu, nous connaissons en tant qu'ils enfants de Dieu, en dehors dans le monde, nous sommes l'adversaire. Dans le monde spirituel, va peut dire ben, du monde, nous l'adversaire. Mais nous connaissons notre adversaire, Satan le diable qui vraiment lui peut chasser pour qui pour gagner, pour dévorer. Nous connaissons notre adversaire. Maintenant qu'un chrétien connaît un adversaire, il a besoin de son garde. Il a besoin de son garde. Il a besoin de vigilant. Parce que qui fait nous lisons vie ouverte, notre peuple filmé d'apport, notre peuple nous gagne le pardon de nos péchés. Qui fait nous condamner parce qu'il nous a péché. Qui fait nous passer
Satan, mon Dieu. Parce que qu'il fait, nous sommes dans l'ignorance. N'écoutez, n'écoutez ce soir. Donc, c'est pour cela que ce soir, il est important qu'il nous connaît nous l'ennemi. Nous bien connaît nous l'ennemi. Attendez ce soir. Amen. Nous l'ennemi, c'est pas du monde. Nous l'ennemi, c'est ça l'esprit qui dans sa dimoun là, qui ranime lui pour faire le mal. Et donc, comment la Bible, comment vraiment, la Bible pour nous, Satan, le diable, il vient pour égoser, pour détruire, pour tuer. C'est ça son travail. Donc, c'est pour cela, nous avons besoin vraiment, et non, un beau combat dans nous la vie, un combat. Nous disons continuellement en tant que chrétiens pour combattre dans nous la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, pas découragé, pas relâché, pas reculer en arrière, pas tant de choses qui vous baissent sous la foi. Parce que les diables sont stratégiques, ils sont trop rusés. Et vraiment, ce soir, nous vous guettons aussi de dire, et quand nous parlons de stratégie, le diable, c'est la première chose qui est dans cette stratégie, lui riser. Dieu lui riser. Et quand lui riser, comme tout à l'heure, on dit, quelque part, lui prudent avant de lui faire une chose. Vous trouvez parfois beaucoup de choses arriver avec le temps qu'il connaît. Qui ça, qui chose là, pas venir de Dieu, ça. C'est une attaque de l'ennemi, ça. C'est avec le temps. Veut dire, en attendant, l'in servir ruse, l'in masquer, l'in mettre ben, qui sort de la science, de la maladie, de la médecine, juste pour détourner nous l'attention. Mais là, tout coup, tout nous penser, nous dire, peut-être, nous gagnons ça, etc. Qui fait le prudent maintenant? Moi, expliquer qui fait comment le prudent avant il attaque un chrétien qui est vraiment sincère, fidèle, un serviteur de Dieu, un servant du Seigneur. Avant il attaque, premièrement, qu'il fait, un suivi, bien suivi. Il a cisé, il étudie où? Il étudie où? A jusqu'à Z. Il n'a pas pressé pour attaquer. Le diable, quand il fait contre l'attaque, il n'a pas fait lui précipitamment. Il a assisé, il a étudié. Qui l'a étudié? Il a fait chaque mouvement qui chrétien là, il fait dans sa vie. Il a étudié au mouvement. Nous, parfois, quand nous finissons sur la prière, nous finissons prier, nous finissons la Bible, nous finissons sur la prière, nous rentrons la case, nous prenons la Bible, nous gardons fini. Nous préoccupons, nous occupons, nous travaillons. C'est logique. Occupons, nous travaillons, nous faisons l'ouvrage. Quand tout finit, maintenant, nous avons un moment de relax. Nous détendons devant nos télévisions. Un petit sérial, un petit film, nous guettons, un petit information. Mais lui, non. Lui, il a assisé. Lui veille où, lui étudie où. Lui guette tout le mouvement qui vous fait, qui vous pas faire. Et donc, lui veille où le mouvement. Quelque chose qui est principal pour veiller d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, qui soit un pasteur, qui ce soit ou un servant du Seigneur, lui pour veiller ou faiblesse. Lui pas pour attaquer sans qu'il n'ait pas fini à détecter ou faiblesse. Lui pour veiller, veiller. Lui pour veiller au mouvement, lui pour veiller cette faiblesse. Quand le moment favorable fin arrivé, quand il y a le moment favorable, c'est là maintenant, Esther, il a attaqué, il a vu son lance. Et comprends ce soir-là? Quand il a vu son lance, là maintenant, il a livré la bataille. C'est même qu'il appelle maintenant une bataille dans le monde spirituel. Il veille où, il veille où, il attend qu'il y ait une faiblesse ou elle rentre dans sa faiblesse là. Dès qu'il rentre dans la faiblesse, il finit de connaître un péché contre mon Dieu. Qu'est-ce que tu peux l'attaquer? Il veille une faiblesse pour redire. Tant ça bien 4-5 fois pour dire. Il pouvait faiblesse chrétienne là. Il pouvait faiblesse intercesseur là. Il pouvait faiblesse cette femme de prière. Les pouvait faiblesse sa personne dans le ministère là. Les pouvait faiblesse sa homme de Dieu là. Les pouvait sa faiblesse. Un moment dans sa vie, peut-être que tu vas veiller,
li panase priye, finan la fatigue, finan la manque de repos, finan manque de consécration, fin manque un moment pour li vraiment appuyer de la parole, la ligne ce moment favorable. Li connaît la piste la claire. Là, quand on baisse la faiblesse, ton péché, c'est le moment favorable pour lui, parce qu'il lui connaît de finir péché contre mon Dieu. Léa là, il rentrait, il fait son contre-attaque. Dieu contre-attaque. Léa là, il fait son contre-attaque. Maintenant, son contre-attaque qu'il fait, qui va le contre-attaque qu'il peut faire dans ce moment-là? Parce qu'il connaît, tu n'es pas pour capable d'attaquer tout de suite. Et de là, nous pouvons être son symptôme. Son symptôme qui est là, il va pire là-dedans même. Pour lui, le moment favorable. Lui, pas pire dans ce symptôme-là. Et quand il a pire dans ce symptôme-là, nous vous rappelons. Nous vous souffrons de ce symptôme-là, de ce symptôme. Nous vous souffrons. Nous vous rappelons. Et quand nous souffrons, nous rappelons, le corps physique, sa capacité de baisser. Le corps physique, sa capacité de baisser. Ça, la force spirituelle-là, si quelque part, il y a le baisser. Là, il y a plié planche, comment dire. Là, qu'il y fait ce contre-attaque dans la vie et vraiment des bonnes personnes. Donc, quand il est attaqué maintenant dans la bataille, il vient pareil, comment ça le lion. Là, veut dire, il n'a assisé, il ne veillait, il n'a pas chance. Pareil, comment dans la forêt, un lion pour attaquer son proie, veut dire pour lui rendre des animaux pour lui tuer. Il n'est pas venu galoper galoper demander des animaux là. Parce qu'il y a des animaux qui sont plus rapides qu'il le galoper. Donc, il fait, il a cisé, il a veillé, il a guetté, il a guetté sur le mouvement qu'il fait, il a des animaux là qu'il peut faire. Dès qu'il y a un moment favorable paraît devant lui, là, il est concentré, là, il saute pour attaquer là. Soit les rats des animaux là, ces animaux là plus rapides, capables de saper en bas son griffe, les saper. Mais si ces animaux là pas capables, à cause de sa faiblesse, il y a coincé, là les gagnent comme un lion résistant, les viennent tuer pour égoser spirituellement dans la vie. Les contre-attaques, dis contre-attaques. Et quand il fait son contre-attaque, certains parfois il est arrivé, dans sa contre-attaque-là, il est tombé. C'est la même qui tue beaucoup de chrétiens dans une contre-attaque, ce qui connaît dans le monde spirituel qui passait, ce qui vraiment les chercher, dans vie connaît, les médite la parole, les grandit, les peut grandir. Quand arrive ce moment-là dans la vie, il connaît qui peut arriver. Mais d'autres chrétiens, il est bon qu'ils nous tendent ce soir, d'autres chrétiens, qui lui fait mort à la lésère, lui venait juste pour écouter, lui venait cette réunion, lui venait comme un spectateur, pour lui, sur la vie, il y a une vie, comme si on ne peut pas dire, une vie routine, bien routine. Oui. Mais la plupart des temps, ça va la vie routine là, c'est un man qui a tombé dans le contre-attaque quand le diable y fait. Parce que le diable, maintenant, m'explique où, quand il peut attaquer l'église, quand il peut attaquer l'église, veut dire lui pour attaquer tout ce qu'il y gagne dans l'église là, pour lui déstabiliser l'église là, pour lui vraiment lui faire l'église là, comment dire, crash. Et l'église qui tombe, il y a tchède, il y a mort. Il attaque de bien côté. Mais pour y attaquer l'église, il commence à attaquer la tête. Il peut attaquer la tête. Finir la tête, il peut attaquer maintenant en bas. Deuxième derrière la tête, c'est mon intercesseur. Troisième, bonne personne qui est dans la vie de prière, qui est consacrée. Il attaque sa bande là. Il y a là sa bande qui est qui vraiment venu comme religieux. Bande qui est peut venir et routine pour bande là devenir bande proie facile. Et là, il est tombé, et là, il est relâché, et là, affaibli, et là, découragé. Mais, et là, dans sa contre-attaque là, il résistait. Les sorties vainqueurs dans sa contre-attaque là. Amen. Et il a résisté. Même qu'on a coup l'ingagné, même qu'il était du mal l'ingagné, même qu'il était blessure l'ingagné, même l'âme l'a coulé, même l'éguer l'a fermé, même qu'il connaît vraiment ce qu'il peut souffrir dans son vie, même qu'il peut gagner, lui maintenir, combattre. Dans son vie de prière, il combat dans la parole, il cherche la parole, il cherche mon Dieu.
veut dire malgré qu'il est passé dans contre-attaque, il est capable de faire une contre-attaque, il est un coup, une lance fin à briller, une flèche fin à tirer. Mais c'est pas ni sur lance, ni sur flèche, réussissez être sa chrétien là. Amen. Les combats qui sont dit. Les combats. Et nous sommes vainqueurs. Et nous sommes victorieux dans la vie. Et nous sommes qu'on est capable de dire. Saute comme s'il saute dans un cyclone, il saute dans un combat. Il est dépaillé spirituellement dans le monde spirituel. Donc, il attaque tout ce qu'il a gagné lors de son chemin. Maintenant, et qui vraiment, qui chose qu'il fait après qu'il ait gagné chrétien, il gagne un intercesseur, un quelqu'un de prière, il gagne un serviteur de Dieu, un servant du Seigneur. Aussi maintenant, ce poids, c'est route d'un nouvelle converti qui atteint l'Église. Maintenant, vous expliquez des choses concernant l'Église. Quand vous trouvez parfois une pensée vient dans la tête, comment fait-il et là-bas, et nous prenons comme ça, là-bas, beaucoup de nouvelles aller et je rester, etc. Ici, quelque part, quelquefois, il y a une petite contrariété, me donne la différence ce matin par le Saint-Esprit. Ça, démon qui n'a voyé là, pour attaquer là, sa principauté là, fini programme-là. Maintenant, ton mission, une autre équipe, toi attaques un nouveau. Dérive eux le chemin, dérive eux les décisions qu'ils ont prises. Dès qu'ils ont nouveau accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et Dieu a voulu d'un pâturage pour y nourrir, pour prendre soin, pour les grandir, pour les lisier ouverts, pour les fortifier, pour les croître dans son vie, le diable est comme température de sa l'église. Et laisse-moi dire plus spécialement, ça l'église-là, devant les diables, tous autres trandent les dents, bouger faire mal. Trandent les dents, bouger faire mal. Et vous expliquez un petit peu comment les faire contre l'attaque. Tout fait mal aussi, concernant cette église. Donc maintenant, pour ma nouvelle qu'il y fait, dès que sa personne rentre et assise, il commence à adapter, déjà adapter. Il commence à adapter avec la parole. Les commence à comprendre la parole, sur l'intelligence commence à ouvrir, sur l'écaille commence à tomber, sa principauté là, voyez sa démon là, j'ai, elle tient sa nouveau âme là, tiens-le, farouche-le, crée l'obstacle au sommet, quand il perd l'église, crée l'obstacle, crée l'embouteillage, crée l'empêchement. Fais-le jusqu'à ce qu'il prend une décision, qu'il y ait persécution. Fais sa famille persécuter. Fais son mari persécuter. Fais son madame persécuter. Fais son enfant persécuter. Fais-le de telle façon, fais-le décourager. Et quand il est découragé, mettez le chrétien sur la route. Amenez-le dans le pâturage. Parce qu'il finit prendre une décision pour mentir à bon Dieu. Zamel finit prendre une décision. Il finit confesser. Il finit renoncer. Tirez, amène-le à l'autre pâturage. Amène-le dans le pâturage, quand fait dormir, gagne sommeil, pas ouvert les yeux. Laissez le pâturage, quitte-le tranquille là-bas. Sa nouveau âme-là, ni les pour grandir, ni les pour croître, ni les pour en prendre, les pour vivre seulement un chrétien religieux. Fais-le vivre religieux. Fais-le quand y aller, pas comprendre rien. Il peut écouter, mais il avait compris. Il peut écouter, mais il avait développé. Il peut écouter, parole là peut faire l'effet dans son vie. Mais comment ce soir-là? Qui fait? Parce que le diable, l'icône, le pouls de l'église là. Mais l'église qui est notre diffé, l'église qui est notre puissance, l'église contre le Saint-Esprit lié à l'œuvre. Satan le diable, il gagne beaucoup de tracas hors de l'église. Amen. Et maintenant, quand il gagne tracas, il augmente le volume de ce man attaquant. Longtemps, nous dire, fais comme on a envoyé 10. 10 soldats, il a envoyé ce soldat, ce man démon. 10 il a envoyé. Il a envoyé 10 papes capables de faire rien. Il est doublé maintenant. Il est doublé sur capacité.
La double capacité, nous écoutons maintenant qui l'y pour faire. L'y pour venir, pour venir attaquer la tête de troupeau. Qui attaque la tête? Si l'inzet la tête, l'inzet tout. L'y pour manipuler. Ça même tout le temps, nous enseignons les autres, nous encourageons les autres. Nous connaissons faire les, continuons faire les encore doublés. Tous les jours, mettre notre pasteur dans la prière. Bizarre prier, peut-être bizarre prier pour lui. Parce que le diable pas pour faire les cadeaux. Le diable pas pour faire les cadeaux. Le diable pour faire tout, pour créer un obstacle. Pour créer tout une interdiction là sur la vie. Il pour créer tout un qui sort, il pour avoir tout qualité flèche. Il pour révolter tout qualité d'imoun. Tout autour de lui, révolter d'imoun tout autour de lui. Famille, voisinage, son lieu de travail, tout autour que tu enveloppé, il pour servir ban d'imoun pour attaquer. Pour attaquer, pour amener découragement. Pour déquilibrer lui. Pour affaiblir sur la foi. Pour empêcher lui consacrer. Pour empêcher lui concentrer. Pour empêcher lui mettre son genou en bas. Pour empêcher lui vraiment pour lui chercher la face de Dieu. Pour lui parler avec Dieu. Pour empêcher lui pour gagner communication avec Dieu. Je ne passe d'un grand combat, d'un grand attaque. Nous prenons comme ça pour comprendre. Vous pouvez venir l'église. Vous pouvez venir l'église. Quand matin, vous levez bonheur. Jusqu'à pour commencer la prière pour préparer pour l'église. Elle la faille à lever dans la case. Ça l'air là, un bonhomme l'a révolté. Il est révolté. Quand il y a mouzon, il pique le grand matin bonheur. Il est révolté dans la case là. Il est révolté en haut. Il fait tout qui chose en haut. Ou pas capable de prier. Ou pas capable de préparer pour aller à l'église. Ou pour finir l'église là. Ou pas chiser là l'église là. Ou pas chiser dans la place. Mais seulement, en l'autre mot, il finit attaquer, il finit paralyser spirituellement. Ou là, il finit paralyser. Il n'a pas su en communication, il n'a pas su consacrer, il n'a pas su mettre tout en genou, il n'a pas su mettre tout en genou, parce qu'il connaît quand pour pleurer, genou, il va être mal, il n'a pas su. Il n'a pas su méditer la parole, il n'a pas su remplir avant de venir à l'église, il n'a pas su. Pour opérer le travail que Dieu vient de nous, en tant qu'un intercesseur, en tant qu'une femme de prière, il n'a pas sous, il bloque où pour venir où. Mais c'est mal, on rentre là, au vide, il y a au vide. Où est l'expérience? Où est l'expérience? Où connaît comment prier? Où connaît comment intercéder? Mais seulement, il n'est pas pareil, comment ou un ticket ou faire lui dans la liberté et à l'aise. C'est un gabel contre l'attaque, bien contre l'attaque. Au bout là où? Mais c'est moi, les pas pour les sous, faire au travail pour, comment dire, Dieu ne prend plaisir dans ce que nous faisons. Ce qui n'est pas compris, pose question là. Hein? Ou est-ce nécessaire? Oui, vous priez, mais ou même vous ressentez, oui, moi je prie, c'est juste pour la bouche qui me prie aujourd'hui. Juste pour la bouche qui me prie. Moi je fais travail là, juste pour le corps physique qui me fait travail là. Mais mon léguerre, pas là-dedans. Qui fait avant mon fini accablé, mon fini accablé, l'inaccablé où, l'in tourmente où, l'in troublé où, dans le trouble où était, troublé où, accablé où, l'in sorié où, penser ailleurs, ou capable là, mais penser là ailleurs. Appelle contre l'attaque, dis contre l'attaque, contre l'attaque ça. T'as nouveau ce symptôme tout à l'heure. Donc, c'est ça qui lui fait en premier lieu. Et pour ça, maintenant, nous verrons dans Marc, le chapitre 4. Nous parlons d'un contre-attaque que le diable peut faire avec Jésus-Christ même. Marc, le chapitre 4. Marc le chapitre 4, on a terminé. On a deux versets de bouquetés.
Marc chapitre 4, verset 35. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre rive, sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte bourrasque, dans mon verset, on a bourrasque, dans le sous-sol de la tempête. Et le vague se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, maître, tu ne soucies pas de ce que nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci quand même le vent et la mer obéissent? Le verset 5. Après qu'il ait gagné sa tempête là, aussitôt qu'il passe sa tempête là, la mer t'y cale, je t'y d'un bateau t'y allait, puis allait à la normale, tout à coup, une tempête fin levée. Une tempête fin levée à tel point, dès lors, on commence à rentrer dans le bateau. Et là, Jésus levé menace sa tempête là. Donc, elle l'attaque qu'il s'y fait faire dans le verset 5. Un démon guéri. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Chérazéniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sautant de tombeau et possédé d'un esprit impur vint au devant de lui. Il avait sa demeure dans le tombeau et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Quand souvent il avait eu le fer au pied, il avait lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le tombe et sur les montagnes, criait et maîtrisant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourir et prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que m'es vêtu Jésus ?» Fils du Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, quand nous sommes plusieurs. Et il supplia instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Oh, il avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pousseaux en train de prêtre, de paître. Et le démon supplia Jésus en disant, envoie-nous dans ce pousseau afin que nous entrions en eux. Donc, Jésus t'y a une mission. Qui t'y a le faire? Lui t'y a le faire une délivrance. La liberté et la délivrance, ça veut nous dire que vraiment, ça, l'esprit, ça va un démon qui fait contre l'attaque là. L'icône nous capacité, l'icône nous température de ou la foi. Et qu'on peut faire l'œuvre de Dieu, l'icône qui peut le faire. Il y a un courant qui peut le faire. Tout bien organisé. Peut-être nous, parfois chrétiens, nous mal organisons nous, la vie spirituelle. Mais il est bien organisé. Il fait tout qui se fait avec précision. Si vous faites, vous gagnez. Si vous faites, vous gagnez. Si vous détectez, vous crachez sur la tête. Si vous n'avez pas détecté, vous crachez sur la tête. Si vous détectez, vous êtes capable de dominer le tout au long de la vie. Mais si vous détectez, vous dominez la vie de bout en bout. En le mot, dans le monde spirituel, nous avons un combat. Soit toi, mon noir, soit lui. C'est un peu de qu'on soit une tactique. Chaque personne, spécialement, qui est dans le ministère, plie nous pour travailler à cœur pour les seigneurs. Plie ça dans l'esprit là pour faire contre l'attaque pour empêcher. N'est pas un moment, me donne un exemple, mais pas faire lui. Juste un exemple. Vous pouvez trouver comment vous tranquille. Comment il y a un petit bébé dans son père tranquille. Un moment, n'est pas un congé dans le ministère.
Un moment, jusqu'à même l'expérience qu'on partage avec vous. Un moment, prends congé dans le ministère. Un moment, repose-vous. Un moment où Dieu m'a relâché. Le diable, ça va un démon là, gagne l'instruction et quitte lui tranquille, différent temps. Ça diffé qui brille là, quitte lui tranquille, pas tous, quitte lui dodo, laisse lui tranquille. Ça va une personne qui va un démon là, servir, faire révolter contre tout. Dans un moment où relâcher ou quitter là, ça va un démon là, ça va un djimoun là. Comme si ça va une bébête là, l'orgzot. Je vais plus bon qu'il la crème, plus la crème qu'il la crème. Je ne veux pas hériter, je ne veux pas gagner la rage, je ne veux pas faire colère, je ne veux pas faire tout cas tes remords, je ne veux pas causer tout cas tes causes, je ne veux pas offense ou au contraire, je plus accueilli, je plus content. Ça, l'expérience. Il qui vit tranquille. Mais seulement, prenez le temps. Après avoir qu'on prend un congé, on relâche partout tranquille, la case partout tranquille, cette fois-ci, c'est l'île de Vinci à son griffe en haut. Avec ce saint homme. Parce qu'il vous domine. Parce qu'on fait beaucoup dominer. On crase sur la tête. On fait lui souffrir. Il peut vous revendiquer. Il peut vous venger. Il peut vous attaquer. Donc, c'est pour cela que, quand nous guettons Jésus-Christ, Péal fait sa délivrance là, tout à coup comme ça, une tempête n'est levée de la mer. Ça l'avait la vie en bas là-haut. Dès l'opérante d'un bateau, ben, d'ici même, il commence à gagner peur parce qu'il se trouve devant la mort. Je trouve devant, exposé devant la mort. Heureusement, Jésus est le bateau. Jésus levait, menace sa tempête là. Comment lui menacer instantanément, pose question ou même. Est-ce que c'est une tempête naturelle, ça? Est-ce qu'une tempête nous dit il envoyé par Dieu, ça? C'est un problème de discerner comme un petit chose peut arriver, là, nous sommes discerner. Est-ce qu'il est naturel, ça? Est-ce qu'il est normal, ça peut arriver, ça? Est-ce qu'il est normal, ça? Pas t'en avant, asteyena, est-ce qu'il est normal, ça? S'il n'est pas normal, quand ça peut sortir? Si ça vient là, comment il vient là? Comment il y a accès? Les lames qui nous disent bien fouiller, faire suivi à la route que défaillance l'a été. Veut dire quelque part. Les suivent. Les finissent tiger. Dès qu'il est un moment favorable, finit arriver, les rentrer là. Parce qu'il connaît qui nous peut faire. Et la Bible dit comme ça, Jésus maîtrise debout dans la barque, menace tempête. Mais qu'est-ce qu'il dit à mon disciple? Ben là, venez peur. Pourquoi avez-vous peur? Si peur. Mais quand j'ai de la foi, ben il va arriver qu'on prend cette tempête-là. Si ben disciple-là, tu gardes ça la foi là, ben disciple-là, tu arrêtes la tempête-là. Tu vas calmer tempête-là. Veut dire qu'il n'y a pas de tempête naturelle. C'est le plan du diable derrière ça pour tous les autres faire bateau renverser pour ben là pas le faire sa délivrance là, ça quelqu'un qu'il possédait dormir le tombe dans le cimetière. Attache la main, les pieds, il casse la main, la scène, personne ne peut pas attraper. Personne ne peut pas avec lui. Et Jésus maintenant, quand il descend le côté de rive, il allait dans cet endroit là, quand il allait. Ça démon l'aime, j'ai dit, qui es-tu, Jésus? Fils du Dieu, très haut. Il dit, pas tiens-moi, pas fais-moi du mal, pas fais-moi du tout. Il dit, qu'est-ce que tu as de pousseau? Zette-nous, fais-nous rentrer dans cette bande pousseau-là. Il demande pitié, père. Est-ce que je connais ce démon qui perd Jésus-là? Ça va un démon-là, il perd un vrai chrétien. Un vrai intercesseur. Un vrai serviteur, un vrai homme de Dieu, mais avec la paix. Parce qu'il connaît qui la main qui l'ouvre. Il connaît qui la main qui pose l'homme. Il connaît qui l'onction qui déverse l'homme. Il connaît. Veut dire qu'il n'empêche lui. Arrive, tu vas avoir un malheur, saisisse pour ne pas atteindre sa délivrance là. Comme ça, le diable met l'interdiction, l'empêchement, l'homme chemin.
C'est comme ça même. Pour empêcher nous faire nos ministères, pour empêcher nous prier, pour empêcher nous venir l'église, jusqu'à moi pour venir l'église, c'est risé ça, risé dernier degré. Jusqu'à moi pour venir l'église, les la même famille vient taper la porte. Jusqu'à moi pour venir l'église, un quelqu'un est malade dans la case même. Bouleversé, écoute bien, il y a une différence là-dedans. Bouleversé, reste présent, mon Dieu, c'est lui qui est capable de guérir la même. L'homme sur la main, couvert, la science. Ou bien l'église, on préparait, on armait, bébé de la connaît qu'ils ont dû pour bénir, bébé de la connaît quand est l'adoration pour donner bon Dieu. Bébé là connaît la qui profond dans la prière ou pour des âmes, c'est juste dans ça là la même. Un membre de la famille dans la case est malade. Bouleversé, est naturel. Bouleversé, paniqué, téléphone taxi, téléphone de transport, prends enfant, aussi ensemble, galoper, aller dans l'hôpital. À l'hôpital, consulte les enfants. Un simple petit comprimé. Il donne des enfants là, il boit, les enfants bien, il rentre dans l'auto, retourne la case. Et au fait, pas ça. Ce n'est pas une question naturelle. L'eau, la mer, c'est qu'il n'y a pas une question naturelle. Tu comprends ce soir-là? Ça pouvait beaucoup nous l'intelligence ce soir-là. C'est qu'on peut vivre la présence de Dieu, c'est qu'il est capable de guérir les enfants là. Dieu est capable de guérir lui plus bien encore. Et la Bible pour nous aussi dans Actes des Apôtres, pour terminer. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Chapitre 16, de verset 16, Actes des Apôtres. C'est ce qu'on appelle réunion de délivrance. Réunion de délivrance, ce n'est pas pareil comme réunion de dimanche ou l'enseignement. Actes des Apôtres 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui pour cette divination procurait une grande profit de ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul excédé se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à lui-même. Et aussitôt maintenant qu'il y fait sa délivrance là, sa servante là, son maître, son bourgeois, il trouve cela inarrivé. Il a le fait un scandale. Il a le raconte le peuple, il a raconte la foule qui fait le faire, qui n'arrivait, etc. Ben là, Dieu, comme ça maintenant, toute la foule fait coster. Et maintenant, qu'ils ont fait, ils ont drapeau les Silas. Ils ont batté, ils ont roulé les coups de pied, ils ont traîné les Lolari. Ils prennent les coups de pied, ils ont été dans la prison. Ben là, Dieu, ça, des hommes-là peuvent faire des ordres. Peut faire quelque chose qui nous-mêmes pas peut connaître qu'ils peuvent faire, qui nous l'habite pas peut bandier nous ce qu'ils peuvent faire là, nous-mêmes pas comprendre. Pour la contexte ça pour nous comprendre ce soir. Peut faire des autres, peut virer la tête du monde, peut dire du monde etc. Qu'est-ce qu'il fait avec nos servantes etc. Ici pas qu'il fait, c'est l'apôtre Paul, les trouvailles de cette femme tous les jours mêmes affaires. Les filles qu'on aime, l'esprit derrière ça, il prend l'autorité, il menace ça l'esprit là. C'est l'esprit de Python, l'esprit là quitte cette femme, servante là l'y délivrer. Après avoir qu'il fait une grande délivrance, comment Satan attaque saute. Attaquer. Parfois nous disons qu'on est, quand on saute l'église, on rentre la case frère, une boule qui fait dans la case frère. Mais boule qui fait là, comment lever? Paul et Silas fait un grand, Paul fait une grande délivrance, une femme possédée de l'esprit de Python fait sa délivrance. Veut dire le diable finit être défait, il est batté, il est dit mal, il est réservé, il fait contre l'attaque, il organise le monde, il fait sa servante la même, son maître, levé contre lui-même.
fait une extravagance dans la foule. Barnabé bloque Paul et Silas après une grande délivrance. Parfois, nous avons fait une réunion bien bénie, bien remplie, bien dans la joie, bien heureux dans la présence de Dieu. Comment rentre la case une belle lafaya, un bel bouleversement, un bel gifé. N'est là qu'on est pas chrétien qui dit, chrétien qui parle du chien là qui dit, aïe, le dimanche, on va parler d'église. Aïe, moi pas l'église encore. Sorti l'église, vini tout ça problème là. Ben nous pas discerner qui dans l'église là, comment battre sa bébête lingue de haut. Qu'a-t-il défaite les fins gagnées. Qu'a-t-il déçu l'une déçue. Qu'a-t-il rasé l'une rasé. Quand on met ton genou en bas, quand on verse à l'équerre là, quand on perd d'eau, ton bon de tout ce que tu à la gloire là, qu'a-t-il rasé depuis rasé de haut. Nous pas discerner parfois. Donc, après avoir une délivrance, Paul et Silas furent attaqués. Gain batté, roulé à coups de pied, zèd de prison. Mais quand zèd de prison, je vais rester prisonnier. Dieu, la Bible dit, Paul et Silas, pendant la nuit, fait louer et adorer. Dieu a envoyé son ange pour délivrer Paul et Silas. Dieu n'est pas pour laisser mes enfants tomber. Dieu, tout le temps, dit Djibout, pour terminer maintenant, laisse-nous guetter le saint homme maintenant. Voici le saint homme qui accompagne le contre-attaque. Mantiken qui est contre l'attaque, ben le saint homme. Premier saint homme, c'est le faux mot de tête. Malade la tête qui plie faux, qui est capable et non. La même chose, je mon tête peut casser, pas qu'on qui peut gagner, mon tête peut éclater. Nous disons, je bois un panadol, je bois un frère, je bois deux panadol, je bois un frère. Je bois ça, je bois l'autre, je bois ça, je bois l'autre. La tête là, pas peut passer, pas peut traverser même ça malade la tête là. Ce premier symptôme qu'il fait, c'est la tête. Il presque même symptôme avec la prière de l'âme. Il attaque ça la tête là, un mal de tête extra fort. Qui fait fort pour pas pour capable prier. Pour pas capable attaquer. Pour pas capable de revendiquer contre lui. Pour pas capable de jeter lui en bas. Il donne un tel mal de tête pour lui faire souffrir. Deuxième symptôme. Après ce mal de tête, deuxième symptôme, c'est le vomissement. Deuxième symptôme. L'estomac là brille, puis envie de vomir, puis envie de rendre, puis envie de tirer. T'as plus envie de vomir, de tirer. Comment on peut le prier? Comment on peut la guerre contre lui? Comment on peut le revendiquer contre lui? Physiquement, il peut paralyser ou physiquement, pour ne pas tacler spirituellement. Ce deuxième symptôme. Troisième symptôme, les courbatures, veut dire fatigue. Un esprit de fatigue, envie de dormir. Fait dormir, les dormir, envie réelle dormir encore. Les collages, du monde répond même. Ou pas de faire ça quand tu travailles là, ou pas de faire ça quand tu es l'ouvrage là. Mais l'écho là, fatigué même, belle fatigue. Puis envie juste d'être l'écho. Puis envie de reposer. Aujourd'hui, moi, pour envie à l'église, frère, moi, je suis trop fatigué. Je m'en vais reposer un peu. Qui te fait? Te fait même l'ouvrage qui t'a habitué à faire. Peut-être ça, je te fais l'ouvrage un peu plus moins. La fatigue. Une fatigue, vous sentez l'écho. Douloureux, crase, comme je vous dis, battez. Par exemple, je vous dis, quand il y a la fièvre, le col crase. Comme ça, ça c'est un homme-là qui, ben, contre l'attaque, okay, ça c'est un homme-là. Et quatrième, douleur abdominaux. Veut dire, l'abdomen, c'est-à-dire dans le ventre. Attaque ça. La plupart, c'est là qui attaque. Ça virait, il y a une douleur bavante, il y a l'inflammation, il y a toutes sortes de douleurs révoltées, saisissent sa partie là. Là, on est dans la souffrance, on trappe Lili, boire ça, boire l'autre, boire ça, boire l'autre, boire ça, boire l'autre, une zone coulée, deux zones coulées. J'ai déjà bien, moi, tu me disais, fais-toi ces intimes. Moi, tu me disais, décorateur, moi, tu me disais, toi en bas. Oh, donc, c'est ça qu'ils nous appellent le contre-l'attaque. Contre les chrétiens, contre l'église, contre les enfants de Dieu. Maintenant, quand nous guérons contre l'attaque, nous connaissons qui nous vient faire
et nous connaît qui était ça, derrière ça, qui s'en là et non, qui s'en a envoyé, qui sont mission, comment l'ingagne nous, qui quand elle l'inveille nous, qui nous faiblesse, qui nous a le faire, qui nous point faible, qui l'ingagne, tout ça là, nous qui bisons maintenant bien vigilant au-dedans de nous. Bien vigilant. C'est pour cela, en l'église, maintenant, vous terminez, en l'église, c'est pas seulement venir prier, venir adorer. En l'église, c'est pas seulement venir, mais pour la parole. Mais l'église, nous venir, nous développer, bien développer. Nous apprendre. Nous connaître si il y a un problème, comment sort d'un problème. Ça même qui Dieu lui dit, un peuple qui choisirait, il ne met pas. Un peuple qui ne met pas, un peuple qui ne développe. Un peuple qui peut en prendre, un peuple qui peut connaître son droit, un peuple qui connaît son autorité. Quand il prend son autorité, il connaît son autorité. L'adversaire. Sinon, je ne connais pas l'autorité de l'adversaire tout au long de la vie pour malheureux et pour dominer. Laissez soir maintenant, nous mettons debout ce soir. Merci Seigneur Dieu. Merci, notre Dieu. Gloire à Jésus.